Ce oh. soir, Thank you. What, what, what are we doing now just relax oh, God, dear. bonjour bonsoir à toutes et à tous Petite vidéo à chaque et autre, je vais vous présenter euh, un Steelbook 4K, pas mal de Blu-ray à marée, et euh, deux DVD et une BO. Vous allez voir des trucs assez sympas, des trucs tout tout récents, des trucs forcément un peu plus anciens. On va commencer tout de suite avec quelque chose qui a été déjà présenté, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est euh, le Steelbook édition Fnac hein, de Venom, donc avec, euh, avec le 4K. Euh, J'ai pas encore vu, euh, les avis sont hyper mitigés euh, sur le film. J'aime bien Tom Hardy, euh, le personnage de Venom, côté un peu, cette fois-ci, un peu sombre et... Et anti-héros, hein, finalement, euh, un bad guy, quoi, on va dire. Dans l'univers Marvel, bah, c'est aussi intéressant de, de voir ce côté-là. Hein, plutôt que les, les tout gentils qui sont plus forts que tout le monde et, et qui défendent la veuve et l'orphelin, il faut voir forcément aussi l'autre côté. Donc euh, j'ai hâte de le voir, mais je veux, je veux choisir le moment pour, on va dire. Pour lui donner toutes ses chances. Donc le Venom. Alors là, je peux vous en parler, je l'ai déjà vu deux fois. Donc Upgrade, euh, excellent film hein, avec euh, Logan Marshall. Alors c'est un film que j'avais vu en dématérialisé euh, dans l'avion au mois de septembre. Euh, euh, bref, j'avais adoré. Pourtant je l'avais vu dans très de mauvaises conditions, avec des voisins, avec des écouteurs, un petit écran, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et pourtant le film avait déjà mis une claque. Donc je m'étais dit, dès qu'il est possible de se le procurer, dès qu'il sort, je le prends. Donc je l'ai précommandé dès, qu dès que ça a été possible, hein, en gros. Euh, et je me suis jeté dessus. Alors Logan Marshall, c'est un mec que j'avais déjà euh, beaucoup aimé dans une série qui s'appelle Carrie, euh, que j'avais vu, je crois, sur OCS à l'époque. Hein. Où il incarné un, un tireur d'élite euh, qui revenait du Vietnam euh, très très perturbé et qui était euh, on va dire engagé dans une organisation criminelle. Hein. Il manquait un peu d'argent, le retour euh, des vétérans c'était pas le top et donc il fallait qu'il se démerde. Bon bref là on n'est pas là pour parler pour parler de Carrie mais pour Upgrade. Donc Upgrade euh, l'histoire en gros euh, avec sa femme un accident de voiture, elle est morte, lui est tétraplégique. Et un scientifique visionnaire, un, peu, un mec un petit peu euh, envolé, on va dire, <laughs> un petit peu dans les nuages, euh, lui propose de, de, bah, de le sortir de, de cette euh, tétraplégie, donc, euh, et en plus d'améliorer euh, même ce qu'il était avant, euh, physiquement. Et euh, donc, bah, en gros, banco. Et lui va, donc le héros hein, va chercher forcément à se venger euh, parce que l'accident avait été provoqué, il avait perdu sa femme, euh, euh, voilà, dans des circonstances très sombres. Très très bon film, faites-moi confiance, si vous aimez la science-fiction, l'action. Une atmosphère très très particulière. Alors, je dirais pas la X-Machina, mais il y a un. Enfin moi j'ai retrouvé quelques petits trucs d'ambiance après euh, des scènes franchement incroyables de combat etc. Je ne vous spoile pas le truc, mais franchement, allez-y les yeux fermés. À part si vous avez une aversion euh, complète euh, envers les films de science-fiction et d'action, euh... voilà ça c'est sûr. Hein. Si vous voulez voir une comédie romantique, c'est pas vers ça qu'il faut se diriger. Mais c'est un très très bon film. J'ai adoré, très content de l'avoir. Euh, je me suis procuré dans une offre euh, avec euh, trois autres films. Alors je crois que c'était Sniper, et je sais plus ce que c'était euh, Sully. Voilà. Euh, j'avais pris ces trois films parce qu'ils étaient à cinq euros sur ces discounts, hein, toujours dans cette opération folle qui n'a duré que quelques instants. Euh, et j'ai revendu ben, les deux autres que j'avais déjà euh, Sully et puis euh, Sniper, American Sniper. Et pour en fait, le but c'était d'avoir celui-ci que je voulais vraiment pas me procurer. Euh, euh, on va dire euh, à un gros prix parce que pareil, les, il me fait un peu peur. Les critiques sont hyper mitigées. Euh, bon, c'est un film de Clint Eastwood, pourtant c'est gage, généralement de qualité, mais celui-là n'a pas eu un, un accueil incroyable. Bon, vous connaissez l'histoire hein, de ces euh, soldats américains euh, en repos euh, qui ont déjoué un attentat dans le Talis euh, aux époques euh, et aux heures les plus sombres euh, de notre euh... On va dire très proche hein, finalement de, de ce qui s'est passé avec tous les actes terroristes en France. Euh, et voilà, donc je sais pas à quoi m'attendre, euh, même si l'histoire je la connais plus ou moins, euh, mais, euh, mais je sais pas si c'est un bon film ou pas. Alors ça c'est un film que j'ai acheté il y a déjà un moment, que j'ai toujours pas présenté, euh, c'est The East. Alors l'histoire m'a donné très très envie. En gros The East, c'est l'histoire de euh, cette, euh, cette dame. Euh, Sarah, euh, qui euh, qui a une espèce d'ex-agent du FBI reconverti euh, dans le renseignement, euh, qui doit enquêter sur une organisation, une organisation, hein, une organisation euh, vraiment typiquement, euh, voilà, on dirait d'extrême gauche, anarchiste, euh, et les mecs, enfin euh, ceux qui la composent sont des, des on va dire, des terroristes euh, euh, qui justifient leur acte par l'écologie, enfin euh, voilà, c en gros c'est ça. Euh, mais finalement, comme bon, le sujet c'est euh, connu, hein, mais euh, la, la gonzesse du FBI, bah, finalement, elle va, va s'identifier de, euh, euh, de, euh, de plus en plus à ces gens qu'elle est censée fliquer, on va dire, et même mettre hors d'état de nuire. Mais elle va s'identifier de plus en plus à leurs idéaux euh, et à leur, leur philosophie, on va dire. Un film très très intéressant. Deux films pour ma filmo Tom Cruise, l'excellent Risky Business, hein, euh, film de pff, 83. Ouais, ça doit être ça, euh, donc un des premiers gros rôles aussi euh, de Tom Cruise. Euh, là, il incarne un gamin en gros qui, qui est né avec une cuillère en argent dans le tenute euh, qui, qui vit dans une famille aisée qui est euh, une, dans une fac prestigieuse. En gros, l'avenir euh, lui sourit. Euh, ses parents partent, je crois, en vacances ou je ne sais quoi, je ne sais où. Ils vont en profiter pour appeler une call girl hein, pour s'amuser un petit peu et finalement, il va tomber euh, très très vite amoureux de cette fille et va se lancer un peu dans une espèce de truc de maison close et euh, bah, quand ses parents vont rentrer bah, il va être un peu tiraillé entre deux mondes, hein. celui euh, doré euh, avec un avenir prometteur et celui très très fun euh, euh, du sexe, de l'alcool et des fêtes. Risky business. Euh, donc euh, bourré qu'on ne trouve pas en France. Hein. C'est un apport je crois, un apport britannique s'il me semble ou américain. Je ne sais plus trop peu importe, donc Risky Business, très content d'avoir trouvé ce book de The Color of Money, la couleur de l'argent, donc avec un excellent Paul Newman et Tom Cruise, donc euh, bah oui, forcément, euh, la toile de fond, c'est le billard américain, euh, c'est un, pas un remake, mais euh, un gros, gros clin d'œil, un méchant clin d'œil. Euh, où, en fait, Paul Newman reprend son rôle de l'arnaqueur, un film des années 60, euh, voilà, je crois que c'est tout début des années 60, où il incarne justement un, un, un peu le rôle que va incarner Tom Cruise dans, dans celui-ci, euh, d'un mec qui, qui sait très très bien jouer au billard et qui va faire un peu semblant de perdre pour après rafler gros parce qu'il est très fort. En gros, l'histoire de ça. Et donc là, euh, bah dans celui-là, Paul Newman va. Euh, va briefé, va euh, entraîner euh, à ce rôle d'arnaqueur euh, Tom Cruise. Donc très très content, c'est une édition Zavi hein, euh, avec une VF surtout, parce qu'il euh, existe un amarré de, de la couleur de l'argent, mais sans VF et avec une qualité dégueulasse. Celui-ci j'ai regardé, j'ai vérifié, très très correct l'image, et euh, avec une piste VF, je n'avais pas du tout ce film, donc je suis vraiment très très content. Alors on sait que Christian Bale est capable du meilleur comme du pire apparemment. Bah, là il s'est engagé dans quelque chose de très sympa, même si je ne l'ai pas vu. Donc c'est euh, invasion japonaise, euh, voilà une époque très trouble en Chine, hein, où les Japonais ont envahi la Chine, et euh, quelques soldats vont décider dans une église je crois euh, de protéger des écoliers en fait face à cette menace euh, japonaise. Donc un film typique, euh, on va dire, qui met euh, en avant l'héroïsme hein, de, de, des humains. Euh, mais voilà, les critiques sont, sont bonnes. Hein. Ce n'est pas un film que, dont j'avais forcément entendu parler. Je l'ai eu entre les mains et seulement après je me suis renseigné et, et ce qui a fait que je l'ai acheté. Donc on verra, mais toujours pas vu. Ça j'étais trop 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 content. J'ai pas mis un trop trop... Non, un trop non, je vais enlever un trop. Donc trop, 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 trop content. Euh, In her shoes. Donc In her shoes, un film avec Cameron Diaz, Tony Collette, qui est une de mes actrices fétiches, hein, dont j'adore la, la sincérité en fait. Euh, c'est pas, c'est pas une fille, euh, une actrice qui est, qui est super belle, qui, qui a des formes incroyables ou quoi que ce soit. C'est vraiment Madame tout le monde, on va dire, hein, mais alors une actrice incroyable et qui fait passer une sensibilité et des émotions euh, dingue. Euh, J'aime vraiment, je l'aime bien dans le rôle de la mère dans Butter Boy hein, avec Hugh Grant, euh, mais elle est excellente aussi euh, dans ce film où en fait elle partage euh, l'affiche, on va dire, avec sa sœur. Hein, euh, elles sont diamétralement opposées hein, dans leur façon de, de gérer leur vie et c'est justement ce, ces deux mondes qui vont être confrontés et ça se donne un film très très sympa avec Shirley MacLaine. Enfin euh, vraiment j'adore cette comédie euh, dramatique. Hein, euh, J'aime vraiment beaucoup et je, je l'avais en DVD et je voulais vraiment le trouver en Blu-ray. Euh, il coûtait très cher enfin je le trouvais pas moins de 22 25 euros et donc j'avais vraiment jamais franchi le pas et il y a quelques temps euh, Steve book Paradise euh, me disait que il se trouvait alors à Leclerc ou à Super U quatre ou cinq balles j'étais un peu dégoûté parce que ben moi j'ai pas j'avais rien à proximité et puis la seule fois où je suis allé au Leclerc il y avait pas et puis euh, figurez-vous que dimanche hein, euh, donc là bon je sais pas quand cette vidéo sera diffusée mais euh, disons que il y a peu de temps, très très peu de temps, euh, je suis allé faire un tour à champ et je suis tombé sur ce Inner Shoes à 3,99€. Je me suis jeté dessus, littéralement jeté dessus. Bon, j'ai acheté 4 autres films, euh, mais, mais la, voilà, le trésor, le, le truc dont j'étais vraiment le plus fier et dont j'étais vraiment, enfin, pour lequel j'étais vraiment content, c'était Inner Shoes. Très très content. Donc, si vous ne l'avez pas encore compris. Je vais faire une petite coupure avec euh, bah avec la BO, ça va être très vite. Donc euh, la BO de Speed, hein, une Various artiste Alors le titre que je connais le plus c'est le Speed de Billy Idol. Donc Billy Idol, hein, ex chanteur de Génération X qui après a fait donc euh, groupe de punk hein, et après a fait une carrière solo avec des titres euh, excellents. Euh, Eyes Without a Face. enfin... Euh, il y, en a, il y en a plein. C'est laquelle super connue là euh, Sex, euh, Flesh for Fantasy, voilà. Flesh for Fantasy, etc. Bref, j'ai tous ces albums. J'avoue que j'écoute plus trop en ce moment, mais j'ai eu ma grosse période Billy Idol. Euh, et là, c'est une Various artiste très sympa, un speed film qui avait quand même fait un carton à l'époque avec Kenu Reeves et Sandra Bullock, euh, un bus fou euh, qui ne peut pas s'arrêter. En gros. Mais un film d'action non-stop, et ça c'était très novateur à l'époque, je me souviens, c'est 1h30, 1h30, 1h45 d'action non-stop. Et à l'époque, euh, ben, c'était très très nouveau. Alors, on enchaîne avec euh, deux films de Tim Burton euh, que je voulais pour ma filmo. Il va me manquer Big Eyes, euh, que j'ai pas en Blu-ray, et Ed Wood, et Pee Wee Adventure aussi. Mais sinon, tout le reste, euh, je suis OK. Donc, j'avais euh, ces deux-là euh, en DVD et je les voulais en Blu-ray. Le premier, c'est une vision assez euh, post-apocalyptique hein, de Tim Burton dans un, un animé euh, très très sympa, très noir, hein, pas du tout un truc pour les enfants. De toute façon, c'est rarement pour les enfants, Tim Burton, même s'il y a plusieurs degrés de lecture. Très très euh, beau déjà euh, ce numéro 9. Donc, euh, 9 espèces de créatures qui euh, peuvent sauver euh, le monde, on va dire, des, des affreuses machines. Euh, J'ai pas des souvenirs précis de ce numéro 9, euh, mais je sais que quand je l'avais vu, j'avais adoré. Donc, très content de l'avoir trouvé sur euh, Price Minister, enfin Rakuten. Et j'ai pris aussi, euh, alors la planète des singes, j'avais déjà dans un amarré euh, Slim euh, dans mon buste de César euh, cette version de Tim Burton, euh, mais je voulais euh, l'amarré classique hein, pour pouvoir vraiment le mettre dans ma dans, dans mon petit coin intime. Euh, et donc très content d'avoir ce film avec Marc Wahlberg, qui est loin d'être mauvais, contrairement à ce que pas mal de gens ont dit aussi. Hein, même si moi c'est de la dernière trilogie qui reste ma préférée et le premier film avec Charlton Heston. Euh, mais celui-là n'a pas à rougir de quoi que ce soit. Il euh, y, y, y a des paysages magnifiques. Euh, et euh, moi, ça, ça reste un film que j'aime bien. Il reste deux petits films à vous présenter. Et oui, deux DVD. J'en ai plus beaucoup à vous présenter, donc d'en euh, passer un ou deux par-ci par-là. Euh, parce que j'en achète vraiment plus beaucoup en ce moment. C'est plus trop mon truc. Hein. Je suis, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très capricieux et, et quand j'ai un domaine de prédilection, je m'y attelle à fond, euh, quitte à passer à autre chose après. Mais pendant une, une période assez dense, euh, je suis à fond dedans, comme on dit. C'est typique du Scorpion, hein, passionné passionnant, je ne sais pas, mais passionné c'est sûr et très capricieux. Euh, donc euh, Last Seduction donc un, un, un double DVD avec euh, donc euh, ce film, euh, ces films de Linda Fiorentino, un film très très sympa où là euh, je dis pas que c'est le rôle de Tom Cruise parce qu'elle joue pas au billard ou quoi que ce soit, mais c'est une belle arnaqueuse. C'est vraiment une... et c'est euh, voilà, voilà, on est dans le thriller euh, diabolique féminin, un peu la basic instinct, là où elle détourne beaucoup d'argent. Hein, c'est surtout ça son truc, hein, c'est le le flouze, le, le pèse, la thune. Et ensuite une comédie très légère mais très très sympa avec deux acteurs que j'aime beaucoup, le Kevin Hart que, que je trouve de, de, de mieux en mieux. Alors c'est vrai que là en ce moment il est beaucoup avec Dwayne Johnson, hein, que ce soit pour euh, Agent Presque Secret ou euh, ou Jumanji Bienvenue dans la jungle. Euh, mais je le trouve vraiment très très bon. Et Will Farrell, pareil, pareil, pardon, euh, qui est excellent. Et en gros, Will Farrell, c'est un mec qui a un petit peu arnaqué au niveau du fisc, je crois, un truc comme ça. Euh, il va, il est, il est, comment dire, euh, puni, euh, sanctionné par une peine de prison qu'il va devoir effectuer, mais il a 30 jours, en gros, euh, pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Il sait qu'en gros, il n'est pas fait du tout, du tout pour la prison et va demander à Kevin Hart de le, de le préparer à ce stage en prison, ce stage carcéral. Ça en fait une très très bonne comédie forcément, deux univers qui s'opposent et puis euh, sera-t-il prêt à affronter ce monde qui n'est pas le sien J'espère que cette vidéo qui est quand même assez longue finalement euh, bah, vous a plu. Euh, donc n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner et à la partager. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon week-end, une bonne semaine. Allez ciao toujours là toi c'est fini rentre chez toi